Bonjour. Alors, on se retrouve pour un haul action. Désolée si vous entendez la grosse qui chouine derrière la porte. Alors, il y a un peu de tout. Il y a de la maison, il y a de la beauté, façon de parler. Et il y a du scrap, de la nourriture. J'ai un truc là, un que je vous dirai. Enfin, voilà. Alors, j'ai trouvé des magnettes. Alors, je veux essayer de voir si c'est possible de les utiliser comme fermeture sur un carnet, par exemple, ou autre, ou alors je les mettrai sur mon frigo. Ouais. Alors, il y a ceux-là, donc les blancs, qui sont magnifiques, bien sûr, le flamant rose, voilà, j'ai adoré. Il y a les turquoises. Là, vous les voyez vermantes, mais moi, je les vois turquoises. Voilà. Il y a les noirs, c'est ceux qui me plaisent le moins, d'ailleurs. Mais j'ai pris parce que je me suis dit selon ce que je fais. Et bien sûr, il y a les roses qui sont pas parfaits. J'avais pas vu qu'il y en avait qui étaient un petit peu abîmés. Mais bon, c'est pas très grave. Voilà. Donc, je sais pas encore comment les utiliser, mais on verra. J'ai trouvé des blocs feuilles Disney. Donc, alors, en réalité, j'en ai trouvé 4. Il y avait Mickey et Minnie, mais ceux-là, je les avais pris pour Azélia. Moi, j'ai pris les princesses. Voilà. Je vous passe le... Enfin, je vais faire ça comme ça. Mais je le fais relativement vite parce que elles ont quand même pas mal tourné, celles-là. Donc, moi, j'ai pris les princesses et Elsa. Voilà. Donc, c'est juste en appoint. Ça va plutôt pour faire des découpes, des choses comme ça. Azélia m'a trouvé, d'ailleurs je reviens d'action et j'en ai pas vu de nouveau, les mix média comme ça, donc qui sont, il y en a plein qui les recherchent en ce moment, donc je pense qu'elle a bien fait de me les prendre parce que là il n'y avait que dalle. Je me disais que si jamais je les trouvais j'allais peut-être en reprendre, mais le bleu, donc celui que je vous ai passé c'est le or, le bleu. Je vous les passe relativement vite. Il y en a qui ont beaucoup plus détaillé que moi. Le rouge, rouge, rose. Dans les rouges, parce qu'il y a du violet. Enfin, voilà. Et le vert. Voilà, comme ceci. Voilà, avec ceux qui sont holographiques. Ils sont vraiment pas mal. Celui-là est vraiment sympa quand même. Moi qui pourtant j'aime pas le vert, mais voilà. J'ai aussi pris des. Alors celui-là, ça fait un moment qu'ils y sont. J'ai mis un moment à me décider de les prendre. Et puis là, alors je sais pas si les modèles étaient les mêmes, hein, mais c'est les premiers que je prends de ce style. C'est du washi tape, mais couleur craft et décoré en foil. Donc il y a celui-là avec la flèche, celui-là avec les étoiles et tout ça. Souvent, je prends pour un modèle précis. Celui-là avec le bleu. Et du coup, j'ai pris bleu, jaune, rouge et rose. Et celui-là, c'est pour les plumes ou les feuilles. Les plumes. Voilà. Donc, j'ai pris ceux-là. Disons que les plumes m'ont beaucoup plu et ça m'a décidé de prendre pour le reste. Azélia, toujours, m'a trouvé ces deux tampons. Donc les coques et l'arbre. J'y suis retournée aujourd'hui, j'ai réussi à en avoir deux autres. Et il me manque le flamant rose que je veux. Enfin les flamants roses, puisqu'après il y en avait un autre avec des papillons, mais je le veux pas. Je l'avais en main et je ne l'ai pas pris. Donc voilà. Et donc aujourd'hui, je me suis pris pour goûter la boisson. Alors j'ai déjà pris la verte, donc la menthe melon. Ou pastèque. Menthe pastèque. Que moi j'ai aimé mais mon homme n'a pas aimé. Et là j'ai pris orange gingembre. Donc voilà, c'est gazeux. Hein. Ceux qui craignent 49 centimes pour ça. C'est les seuls prix que je vais pouvoir vous donner. Parce qu'après, en gros. Hein. Bon, ça on sait que c'est 79. Ça je crois que c'est 68. Si je ne me trompe pas. Ça je crois que c'est 99. Les mix média, ils sont à 88 centimes. Voilà. Après, il y a des trucs. Je crois que ça c'était à. Je sais plus. Je veux pas vous dire de bêtises. De toute façon, vous savez que c'est vraiment pas très cher. Je ne vais pas vous dire de bêtises parce qu'il y a des choses que j'ai pris, je n'ai pas forcément fait très attention au prix. Je crois que c'est 1,29 mais je ne suis pas sûre. C'est un
absorbeur d'odeur pour le frigo. C'est vrai que j'en ai jamais mis et je me suis dit, tu vas tenter, tu vas essayer, on verra ce que ça donne. Il y en a qui en mettent qui disent que c'est plutôt pas mal. Donc, j'ai voulu essayer. Je me suis pris les brumes que fait Action et j'ai pris les 4. Voilà. Donc, j'ai pris Ibiza, que j'ai sur la main qui tient. Pourtant, je me suis lavé les mains. Qui tient plutôt pas mal et qui, je trouve qu'il y a une odeur très sucrée. Donc, celle-là, je crois que c'est celle-là qu'Azélia n'avait pas aimé. Mais, enfin, trouvait pas. Moi, je l'ai pris. Donc, j'ai pris Ibiza. J'ai pris Cariben Love. je pense qu'il y a un autre nom à donner, mais bon, hein, voilà. Et d'ailleurs, je les avais pas vus au départ quand je dis oh zut, je les ai ratés et tout. Et finalement, quand je les ai vus, j'étais toute contente. Puisque quand même, il y en a 235 ml, c'est vraiment pas mal quoi. La Aloha Beach. Je sais qu'il y a une prononciation qu'il ne faut pas donner, mais bon, on va dire Aloha. Puisque moi, la prononciation, je n'en suis pas sûre. Et celui qui perd toujours son chapeau. Non, c'est la Aloha qui perd toujours son chapeau. C'est la Miami. Voilà, qui est bleu aussi. Donc, j'ai pris les 4. Je trouve que les 4 sont très bons. Voilà. Et comme moi, je me mets de la brume, il y a la verte qui me paraît pas très pleine, mais bon, tant pis. Comme je me mets des brumes été comme hiver et tout ça, enfin voilà. Donc, je les ai pris. Alors, à 1,65€, si je ne me trompe pas, il y avait ce genre de petite plante. Voilà, dans un petit pot carré. Ça, c'est pour mettre dans ma salle de bain, puisque dans ma salle de bain, c'est une pièce qui est relativement sombre, humide, ça va de soi, et qui est quand même assez chaude. du coup je vous déjà essayé de tenter de mettre des vraies plantes, mais ça tient pas. Ensuite tu vas essayer avec les plantes artificielles. Et celle-là, je trouve qu'elle rend plutôt bien. Alors j'ai pris celle-ci. J'espère que rien ne va se casser la gueule. J'ai pris celle-ci que j'ai trouvé feuille d'artichaut. Celle-là, je crois que ça s'appelle des feuilles d'artichaut, la vraie plante. J'ai trouvé super mignonne. Donc tout à 1,65€. Et j'ai pris celle-ci, donc ça fait, c'est que des succulentes, des images de succulentes, et je trouve que c'est celles qui font le plus réaliste. Donc voilà, donc j'ai pris ça, les 3, je trouve ça super sympa à mettre dans la salle de bain. Voilà, ça sera décoratif. Je me suis pris un petit panier blanc tout simple comme ça, toujours pour la salle de bain, puisque j'en ai un qui est violet. Je vais essayer de le récupérer pour le scrap, mais c'est surtout que celui que j'ai, il est en tissu, donc il se lave pas facilement. Vous savez, c'est les tissus croisés, là. Je me suis dit que pour la salle de bain, ce serait toujours mieux un panier en plastique qui se lave. Et j'ai pris blanc, parce que comme ça, sur le lavabo blanc, ça se remarquera pas trop. J'ai trouvé, alors, à savoir, c'est que depuis hier, enfin avant-hier soir, j'ai fini mes démaquillants, donc je n'avais plus de démaquillant à part du lait démaquillant, moi je n'aime pas ça. Donc j'utilise des huiles pour me démaquiller. Je parle d'huile parce que après il me reste l'eau micellaire, la gelée micellaire, je ne sais pas quoi, d'Yves Rocher, de Sephora, mais je ne suis pas fan. Donc j'avais plus d'huile et hier soir j'ai utilisé de l'huile de coco pour me démaquiller. Je n'ai pas trouvé ça mal. Après, bon, voilà. Et j'ai regardé au magasin, là où je bosse, au niveau des prix et tout ça, j'ai pas envie de mettre 5 ou 6 euros dans une huile. Ça, enfin, j'ai pas envie quoi. Je suis passée à Action et mon huile démaquillante, donc c'est celle que j'utilise tout le temps, était à 2 euros. 1,99€. Alors ça, par contre, ça m'a marqué, puisque la même au magasin, fait la nouvelle version, parce que vous savez qu'elle a changé de version. La nouvelle version est à 6 euros et 5,90€, et là, 1,99€. C'est l'ancienne version, j'en ai rien à battre tant que ça me démaquille. Donc du coup, je l'ai pris, je suis contente. Je me suis pris dans ma lignée odeur fraîche dans les appareils ménagers. Je me suis pris les désodorisants de la vaisselle. Voilà. Mais ça, j'utilise, c'est quelque chose que j'utilise tout le temps. Mais d'habitude, je les achète plein pot. Je les achète à
dans les magasins, quand je fais mes courses. Je crois que là, c'est 99 centimes. Je crois, mais je ne veux pas dire de bêtises. Je peux me tromper. J'ai repris, comme d'habitude, un câble en 2,5 m, USB, enfin micro USB, puisqu'on sait très bien que ceux-là de câble ne tiennent absolument pas du tout. En général, je le change tous les 2 mois maxi, je crois. Donc, quand je mets un nouveau en route, j'en achète un nouveau. Voilà, parce que de toujours en avoir un en stock. Parce que ça, c'est, j'en fais une consommation folle. Mais il faut dire que j'y fais pas forcément attention. Souvent, je les tords et tout. Et ceux-là sont plus fragiles que les autres. Alors, j'ai trouvé des Puffy. Alors, j'en ai trouvé 2 planches que j'ai trouvées plutôt mignonnes. Alors, j'en ai pas pris 50 parce que j'en utilise pas beaucoup des Puffy. J'ai pris, comme tout le monde, hein, j'ai pris celui-là pour les flamants roses. Parce qu'il y a des flamants roses. Voilà. Puis ça fait un peu vacances et tout ça, si je fais un album dessus. Alors, sachant que je ne suis pas vraiment partie en vacances, mais bon. Et j'ai pris celui-là parce que celui-là, je le trouvais juste trop mignon. Voilà, avec les petites chouettes et tout ça. Mais c'est-il pas mignon? J'ai adoré. J'ai juste adoré. Donc, bah voilà, j'ai pris, hein, forcément. Je me suis trouvé des feutres à alcool que j'avais pas. Donc, j'ai pris la série jaune. J'ai le 44, le 45 et le 49. Donc, ça, c'est ceux que j'avais pas. Donc, là, juste, je fais un complément de ce que j'ai pas. Hein. Et j'ai pris dans la série rouge-orangé le 11, le 14 et le 22. Alors, c'est, en réalité, je vous donne les numéros qu'elle a. Hein. après, il y en avait plein d'autres. Mais. J'ai pris, alors les jaunes c'est parce que j'en ai pas beaucoup, les rouges orangés j'en ai pas beaucoup non plus. Ce que j'aimerais trouver c'est celui, le couleur chair, mais je crois que celui-là pour le trouver ça va être la galère, mais bon. Je me suis repris des petits ciseaux comme ça de précision, voilà, c'est ça, c'est pour mettre sur ma table de make-up. Parce que parfois, ben, un poil qui dépasse ou quoi, pour pouvoir le couper, c'est plus facile qu'avec avec des ciseaux un peu trop épais. Je crois qu'il y en avait 2. Mais j'en ai pris qu'un alors. Ah, attendez, je cherche quelque chose. Ça me perturbe. Ah bah non, j'en ai pris qu'un. J'en ai pris qu'un. Je croyais que j'en avais pris 2, mais du coup j'en ai pris qu'un. J'ai pris donc le tampon clair, c'est celui-là que j'ai pris. Voilà. L'autre, il y avait un cœur et comme une étiquette, je ne sais pas. Il y avait des papillons aussi, mais il ne m'attirait pas plus que ça. Ça, j'ai trouvé très joli, donc j'ai pris celui-là. J'ai pris alors ça par contre c'est surtout pour les feutres à alcool, pour essayer de les maîtriser. Je trouvais ça super sympa. J'ai pris 3 blocs comme ça pour faire des fleurs. J'ai pris ces 3-là. Il y en avait un 4e mais qui me plaisait pas. Je vous montre en gros ce que c'est. Voilà, vous avez le dessin. Donc les papiers sont un peu épais. Hein. Vous avez le dessin. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Et il faut juste le coloriser. Donc derrière, vous avez les motifs de celui-là. Celui-là. C'est pas celui-là auquel. C'est pas les mêmes, hein? Non. Ah non, il est après. Donc il y a celui-là. J'ai pris les modèles qui me plaisaient le plus. Hein. Forcément. Et là, je vais vous le dire à cause duquel j'ai pris celui-là. J'ai pris à cause de celui-là. C'est un oiseau. Il y a un oiseau dessus. La seule chose que je regrette sur ces blocs, donc j'en ai pris 3. Puis après, ça peut faire une carte, ça peut faire une page d'album, ça peut faire voilà, un tas de choses. La seule chose que, si on en réussit bien sûr, la seule chose que je regrette, c'est que c'était que des thèmes fleurs. Mais que ça. Ben, ils auraient pu mettre autre chose que des thèmes fleurs. Ça aurait été sympa. Bon, c'est pas grave. Je me suis trouvé. Alors, j'en ai trouvé un des deux. J'ai pas trouvé le deuxième. Il n'y a rien. C'est rien. C'est. Je mettais tout dans la petite caisse blanche. La caisse blanche, elle atterrit par terre. Mais bon. Je me suis trouvé un des cahiers à spirale qu'ils font là. Avec le flamant rose. Et je voulais l'autre. Mais. Ça, c'est vrai que la page est super fine, quoi. Bon, enfin, c'est pas très grave.
Je voulais absolument cette page. Je voulais l'autre avec les feuilles et tout ça, et je ne l'ai pas trouvé. Donc j'ai trouvé déjà celui-là, c'est déjà pas mal. C'est pour faire le monde du jour, hein, c'est tout bête à cause de ça. Là en plus il y a les intercalaires, donc ça pourrait être pas mal pour faire les sections, les trackers, l'agenda et choses comme ça. Donc voilà, j'ai pris celui-là. Bon, là j'en ai entamé un de deux jours, je ne vais pas en refaire un autre, mais je me suis dit, tu prends le cahier et puis je vais faire comme je fais avec les autres, quoi. Je le prendrai à la suite, sans doute pour l'été prochain. J'ai pris quelque chose que j'ai pas encore vu dans aucune vidéo. J'en ai pris qu'un pour le moment. C'est peut-être moi qui ai mal vu les vidéos. Mais c'est c'est cela. Mix and Match, là. Romantic Vintage. Alors j'ai regardé vite fait parce qu'il y avait quelqu'un qui était là et qui ça m'ennuyait. Enfin, j'avais l'impression qu'il fallait que je me bouge. Donc 50 pages. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que ceux-là, je les ai pas vus. Alors, est-ce que je l'ai déjà? C'est possible. Mais les pages me paraissent un peu plus épaisses. Donc, bon. Donc là, je vais vous montrer vite fait les modèles. Donc, il y a celui-là qui est tout mignon. C'est le même devant, mais... Ensuite, celui-là, bon, c'est un de ceux qui me plaisent un peu moins. Enfin, c'est pas que j'aime pas les fleurs, mais... J'aime bien les fleurs. Mais pas comme ça. Celui-là, qui a, même si c'est un peu jaune, enfin c'est un abricot, on va dire. Il est plutôt sympa pour faire un fond. Alors je sais pas si. Ouais, ça me dit rien celui-là. Peut-être moi, hein, mais. Celui-là, par contre, que j'ai trouvé magnifique. Bien sûr, il y a des oiseaux. Sans moi, dès qu'il y a des bestioles, c'est bon. Celui-là que j'ai trouvé super beau. Celui-là aussi que je trouve très joli pour faire un fond. Celui-là que j'ai trouvé divin. Mais moi, dès qu'il y a des écritures, j'adore. Et le dernier, c'est ça. L'avant-dernier. Un rose, toujours pour faire les fonds. Et les écritures. Voilà. Donc j'en ai pris 15, cela a été un peu plus cher que ceux qu'on a d'habitude. Je crois qu'ils sont à 89 centimes. C'est pour ça que ça me fait bizarre. J'en ai pas beaucoup entendu parler. Et si j'y retourne, j'essaierai de mieux regarder qu'est-ce qu'il y a. Parce que là, je vous dis, je me sentais oppressée. J'ai pas pu regarder comme je voulais. Je me suis pris des alphabets style un peu Scrabble. Donc j'ai pris les briques. J'ai pris le bois flotté là. Le bois blanc. Et l'effet sable, c'est ça. Je regarde si c'est marqué. Je crois que j'avais vu en plus. Mais bon. Azélia s'est acheté les mêmes. Enfin, celui-là en tout cas. Et voilà. Et celui-là. Donc, j'ai pris ça. C'est presque fini. Hein. Ça, c'est pour à la fin. J'ai repris. Je vais toujours prendre ma salle de bain, cette fois en grand, un casier. Voilà, j'ai essayé de rassembler tout ce qui traîne. Et je me suis trouvée, grâce à Azélia aussi, puisque c'est elle qui m'a dit où c'est qu'il fallait aller chercher, les petits blocs pour faire les petites boîtes. Voilà, donc je suis contente. Alors, nous avons le vert, c'est celui-là. Donc, je vais vous montrer vite fait, parce que là, je ne peux pas trop tordre. Et pour pas abîmer les boîtes. Voilà, donc ça je vais essayer. Enfin, c'est pas que je vais essayer. C'est que je vous avais dit que j'avais le projet pour le marché de Noël de l'école de Montfiol. Donc je vais monter les boîtes, comme ça elles sont toutes prêtes et elles les vendront 5 ou 10 centimes ou 50 centimes, je sais pas, c'est elles qui verront. Mais c'est comme ça, ça fera des petits emballages si les gens veulent chercher un petit emballage cadeau ou un truc comme ça peut être sympa. Donc je monterai les boîtes et après elles auront plus qu'à les vendre quoi. Enfin, les gens qui vont chez Action ils risquent de reconnaître, mais bon c'est pas le problème, c'est juste histoire que ça fasse des produits qui soient sur le marché
et que ce soit assez sympa à présenter, que ça fasse du volume aussi, enfin voilà, en plus des albums et des cartes, je pense que ça peut être plutôt sympa. Donc il y a celui-là aussi, après je vais m'en garder sans doute pour moi aussi, hein, mais je trouve que ça peut être sympa de faire ça. Et Azalea m'a pris les blocs que j'ai, donc que j'ai pas là, les blocs pour faire les grosses boîtes, les grands blocs là. Et je pense que je ferai pareil, je ferai quelques boîtes qu'elles pourront vendre. J'ai elles parce qu'elles sont plusieurs mamans, qu'elles pourront vendre pour le marché de Noël. Voilà. Donc bien sûr, il y a des petits die-cuts au fond à découper pour mettre dessus. Donc, je me contenterai pas que de ça. Je mettrai des puffy, je mettrai des trucs en bois. Enfin voilà, je mettrai plusieurs choses. Je vais essayer de faire un peu différent les uns des autres, qui soient quand même relativement attractifs, pour que les gens aient envie de les acheter, ces petites boîtes. Et ça, c'est toutes les mêmes boîtes en plus. C'est des boîtes un peu style bijoux, boîte à bijoux, c'est pas mal. Donc celle-là, ouais, c'est toutes les boîtes un peu comme ça, vous savez. Un peu style boîte à bijoux. Ça, ils le disent, ça c'est les enveloppes. Donc toutes celles-là, c'est les enveloppes. Ça aussi, c'est des enveloppes. Et c'est celles-là qui font... Bah si, ça fait un peu pareil, non ? Ouais, non, ça fait pareil. Ça fait des boîtes un peu en volume. C'est super sympa, voilà, on fait un petit peu pour qu'elle puisse avoir ça en plus pour le marché de Noël. Je pense que ça peut mettre un petit plus, un petit peu de beurre dans les épinards pour l'école. Voilà, comme on dit. Voilà, plus de 20 minutes. Bon, j'ai traîné, certes, mais plus de 20 minutes. Je vous avais pas fait de vidéo avant, parce que j'y suis allée que 2 ou 3 fois. Je suis pas allée beaucoup ces derniers temps. C'est Azalea souvent qui me trouve plus de choses que moi j'en achète. Et les fois où j'y suis allée, j'ai quasiment rien trouvé. Ça aurait fait une vidéo de 5 minutes et encore. C'était pas forcément très intéressant. Et au début, je les mettais de côté pour vous faire la vidéo. Puis après, quand on a déménagé la chambre, j'ai tout rangé. Et je ne saurais pas vous dire ce que j'ai pris ou pas. Il y a eu les blocs Feud, les grands blocs 30-30 avec une page sur deux qui est en Feud. Ça oui, puisque c'est Azalea qui me les a trouvés aussi. Et voilà, enfin, les derniers trucs en général, c'est Azalea. Donc. D'ailleurs, à qui je fais des gros bisous. Sans elle, je raterais un tas de choses. Voilà. Mais je la remercierai jamais assez, parce que dès qu'elle voit un truc, qu'elle sait que je le veux, elle me le prend de suite, elle attend pas. D'ailleurs, elle a la palette d'highlight que je veux, puisque moi j'avais pris la bleue, la rose il n'y en avait plus. Et quand elle y retournait, il y avait la rose, donc elle me l'a pris. Moi je voulais pas la bleue, je voulais que la rose. Et heureusement, parce que moi, à chaque fois que j'y retourne, elle y est pas. Hein, donc heureusement qu'on se fait un complément l'une et l'autre, parce que sinon, ça serait un peu la galère. Voilà, sur ce, je vais vous laisser, je vous fais à tous de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en haut, petit pouce bleu. Si elle vous plaît pas, vous pouvez mettre ceux vers le bas, hein, ça ne me dérange pas. Et je vous dis à la prochaine. Bisous.